Ok les gars, nouvelle boutique du 6 mai 2024, c'est parti du coup, pas mal de boutiques ont fuité les gars pour les prochains jours, on connaît certaines choses, donc on va vérifier justement aujourd'hui, est-ce que l'information est vraie pour pouvoir déterminer, est-ce que les autres boutiques qui ont fuité sont vraies elles aussi, donc en tout cas on commence, forcément tous les items de Star Wars, je pense qu'ils vont encore être disponibles plusieurs jours pour ceux que ça intéresse, donc là moi j'ai pas l'outil de collecte par contre... Du coup, la réduction ici, elle pue un peu la merde, hein, par rapport à ce qu'on peut voir des fois. Des fois, j'ai des planeurs, des trucs à 1500 bucks qui me proposent à 200 bucks. Là, 800 bucks, on me le propose au prix de 400. Je suis un petit peu déçu de la réduction. Donc, du coup, bref, tous les items qui sont disponibles pour Star Wars. Ensuite, FNCS. Oh là là, les skins, mes skins préférés. Les skins et les plus moches de Fortnite, frérot. C'est une dinguerie. Du coup, le skin Rushin. Lui, frérot, vraiment, à chaque fois que je le vois, il me fume de rire. Tous les skins sont vendus séparément au prix de 1200 bucks. Oh putain, je croyais que c'était la danse Hot Marat. C'est bon ou pas? J'ai cru que c'était la danse Hot Marat, j'ai failli rouler. Donc ensuite, le skin Lavandra. Ok, nouveau skin, envoyé, il a un style particulier. Jouable ou pas? D'un truc 10, les gars, allez dans l'espace commentaire. Participez un petit peu là à la vidéo pour une fois. Là, dites-moi un petit peu comment est-ce que vous notez ce nouveau skin. Donc ensuite, Fulgura, Oppresseur. L'immo de la team pigeon, frérot, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Vous le savez, de toute façon, les gars, l'immo de la team pigeon, pour l'acheter, vous êtes obligé de mettre le code créateur LEN dans votre boutique. C'est d'ailleurs totalement gratuit à faire. Merci à ceux qui pensent à le mettre chaque jour. Ça fait très, très plaisir. Ensuite, on enchaîne avec Ruby, Opaline, Sirène. Et là, on a quand même un bel enchaînement d'items tryhard. Hein. Là, on a quand même un bel enchaînement d'items tryhard. Ensuite, on enchaîne avec Mille l'humain, frère. C'est un ovni. Vantard d'un main de chasse. Bon, j'ai pas envie de dire que la boutique elle est mid, mais. 1000 V-Bucks en phare. 1000 V-Bucks en putain de phare, frère. Mais qui va acheter un phare à 1000 V-Bucks, frère? Personne. En tout cas, j'espère qu'il y aura personne. Donc, après, toujours les packs de Billy Eilish qui sont disponibles. Les différents packs ici. Ok, je crois que c'est une fin de boutique, les gars. Ok, donc les fuites pour les prochaines boutiques sont vraies, les gars. C'est bon, Peter Griffin, du coup, c'était ça. Donc, 100% que les prochaines fuites sont réelles. Bref, clique tout de suite au centre de l'écran pour visionner ma dernière vidéo. Sinon, la boutique de demain, elle va être nulle à chier. Donc, clique tout de suite. Allez, va voir.